Jean-Philippe Stassen, je suis un auteur de bande dessinée. Je suis né en Belgique et je suis entre la France, la Belgique, un peu le Rwanda, l'Est du Congo, tout ça. Et je fais de la bande dessinée. Et depuis quelques années, j'utilise ce moyen-là, la bande dessinée, pour faire des reportages, notamment pour la revue 21 et puis aussi pour la revue dessinée. Alors, I Come Jesus, c'est un bouquin que j'ai fait avec Futuropolis, qui est en fait un recueil des reportages que j'ai réalisés depuis 6 ans pour la revue dessinée et surtout pour 21. Et le point commun de tous ces reportages, c'est qu'ils se passent en Afrique. Donc ça va en fait de la Méditerranée jusqu'au Cap, mais le centre du recueil, c'est la région des Grands Lacs, donc au centre de l'Afrique, et c'est le Rwanda et l'Est du Congo. Mais le titre, en fait, au début, je voulais pas que ce soit comme ça. Donc I Come Jesus, ça veut dire littéralement je peigne Jésus. Et en fait, moi je voulais qu'il y ait juste I, donc l'article, puis le petit symbole du peigne, et puis Jesus. Parce que, en fait, c'est un slogan que j'avais dessiné sur le t-shirt d'un Maïmaï, mais c'est minuscule dans le reportage, ça doit faire 1 mm. Et je l'avais fait sur un petit bout de papier. Et en fait, je voulais qu'il y ait une ambiguïté. C'était comme I love Jesus, mais c'était un truc un peu bizarre, un peu diabolique. Et donc, j'avais pas pensé au verbe come, que je ne connaissais d'ailleurs pas. C'est juste un jour, j'étais dans la cuisine avec une petite fille, et quelqu'un a demandé « Mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc ?»« I Jesus ?» Et la petite fille, qui parle très bien anglais, dit « Bah, ça veut dire I come Jesus. » Et donc, c'est comme ça que je les appelais comme ça. Et bah, le Prix Bayeux, c'est un endroit où on rencontre plein de camarades, journalistes, ceux qu'on appelle parfois de façon un peu tendre et ironique les multipoches. Donc c'est tous les reporters de guerre que je connais, dont je connais un certain nombre depuis longtemps, que j'aime bien. C'est un endroit où on s'amuse bien. Parce qu'en général, les reporters de guerre sont des gens qui aiment bien faire la fête, qui aiment bien décompresser en faisant la fête, en dansant et en faisant tout ce qu'il faut pour faire la fête. Et donc, j'aime bien venir ici.